Auraient-ils envie de prendre un nouveau départ? 3 ans et demi après leur départ pour les États-Unis, le prince Harry et Meghan Markle seraient sur le point de prendre une grande décision, déménager, une fois de plus, pour s'éloigner de Los Angeles. Un changement capital pour le couple, qui semble avoir besoin d'un peu d'air ces dernières semaines. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, leur vie de couple irait très mal. Un signal, peut-être, qu'il faut changer les choses. Et le prince Harry et Meghan Markle ont pris très au sérieux, le couple, marié depuis 2018, aurait en effet décidé de tout quitter une fois de plus pour s'éloigner de Los Angeles. Mais cette fois, après le Royaume-Uni et un court passage au Canada, pas question pour eux de quitter les États-Unis, le fils du roi Charles III et sa femme auraient simplement décidé de s'éloigner un peu de la ville de Los Angeles, dans laquelle ils vivent. Et plus précisément du luxueux quartier de Monte Quito où se trouve leur immense manoir de 14 millions de dollars. Mais pas pour partir loin, selon The Mirror, ils pourraient aller à Malibu pour retrouver le quartier dans lequel Meghan Markle a passé son enfance. Une façon pour eux de ne pas se couper de Doria Ragland, la mère de la duchesse de Sussex dont elle est très proche. Et de ne pas complètement perturber leurs deux enfants, Archie, 4 ans, et Lily Bay, 2 ans, qui ont grandi aux États-Unis. Leur couple irait très mal cependant, cela pourrait offrir une bouffée d'air frais au couple qui se déchirerait depuis plusieurs semaines. Le prince Harry, malgré la guerre qu'il mène aux paparazzi britanniques et ses révélations contre sa famille, voudrait en effet garder un pied au Royaume-Uni, ce que sa femme n'accepterait pas du tout. Elle, au contraire, serait concentrée sur sa carrière et leur business, qui a connu un sacré revers ces derniers jours avec l'annulation de leur juteux partenariat avec Spotify. Heureusement, dans une nouvelle maison, non loin de celle de nombreuses célébrités dont Simon Cowell, Cher, Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Miley Cyrus ou encore Charlize Theron, tout pourrait être différent et se passer bien mieux. En tout cas, ce serait le souhait du couple, qui voudrait éviter la séparation à tout prix. Il faut dire que les rumeurs, ces dernières semaines, décrivaient une famille brisée, le prince Harry habitant à l'hôtel et passant toute la nuit à jouer aux jeux vidéo. Alors, il ne reste plus au couple qu'à se remettre debout. Et on sent que les efforts vont être nécessaires pour que le bonheur revienne dans le foyer des Sussex.